Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va pas du tout. Le rêve de Kylian Mbappé vient de se réaliser. Mais le cauchemar de tous les supporters du Paris Saint-Germain commence dès aujourd'hui. Mais oui, tous les supporters du Real Madrid vont aller acheter le maillot du Real et floquer Mbappé derrière leur dos. Nous, supporters du Paris Saint-Germain, quand le nouveau maillot du Paris Saint-Germain va sortir, hein? Quel nom allons-nous mettre? Donnarumma? Colomwani? Dembélé? Tu as vu ce que tu as fait Mbappé à tous les petits-enfants, hein? Qui étaient fans de toi et qui sont fans du Paris Saint-Germain? Ils vont devoir switcher et aller au Real de Madrid. De tous les cas, eux, ils vont le faire sans scrupule. Ouais, on va voir ça pendant tout l'été. Des maillots. Numéro 9, Mbappé, des petits-enfants partout. C'est comme si tu vois ton ex-femme aller signer dans le meilleur club du monde. Et tu vois tout le monde a le nom de ta femme sur son dos. Les petits-enfants, ils sont là, ils courent. Ah non, moi, je vais vous dire, je vais laisser traîner mes pieds. S'il y a un enfant qui court trop proche de moi, ha! Le croche-pied est vite arrivé. Ah oui, non, mais là, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon. Force à Kylian hein, qui va réaliser son rêve, même si il faut quand même prévenir les Espagnols. Ah oui, parce que nous on connaît Kylian Mbappé ici, hein. On l'appelle Mobutu. Hein. Et attention, c'est pas pour rien, hein. Parce que ici en France, on ne sait pas si c'est Macron qui dirige ou si c'est Mbappé. Tu me parles pas d'âge, la retraite, t'es pas content? Triplé, 49-3, c'est ce que Macron a fait. Donc peut-être que Mbappé, en gagnant des matchs avec vous, il pourrait prendre la place du roi. Felipe VI, c'est fini. Maintenant, c'est Mbappé premier. Donc faites attention.